retrouve justement en fait dans Ruin toutes ces influences au niveau des compos, au niveau du son, entre bah, justement bah, du sludge, du stoner un petit peu, du black, du hardcore. Mm. Comment est-ce que toutes ces choses-là en fait se mêlent de manière cohérente au moment de la compo? Bah, toute la question c'est est-ce que c'est cohérent du coup bah, la composition elle passe par deux guitaristes et en fait que ce soit Corentin ou toi c'est deux façons différentes justement de composer donc du coup ce qui nous permet de mêler des influences ouais un peu différentes. Et puis tu sais après moi j'ai ma petite idée là-dessus, je pense que comme il dit genre à la limite la plupart du temps c'est vrai que c'est Corentin ou moi on arrive on répète avec une compo presque une fois même prête tu vois nanana. Et ce qui fait qu'après ça va ajouter des fois des touches qu'on n'a pas forcément pensé nous parce qu'on vient plus d'un univers blackisant ou machin ça va être par exemple Gibus qui va dire bah là moi je vais faire tel jeu de batterie. Donc du coup, bah là, tout de suite, tu vois, le truc que tu t'étais imaginé black metal, en fait, il va passer presque hardcore, quoi. Et tu vas te dire, oh là, c'est cool, c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé, et du coup, ça... Après, je crois hein, qu'on a tous dans l'idée des fois de péter un peu les codes parce qu'on en bouffe du métal à fond, enfin on écoute beaucoup tous autant qu'on est, et que les clichés ils nous vont pas tout le temps et qu'on a un peu envie de les défoncer. Quoi. Mmh. Donc c'est comme ça que ça se passe en compo quoi, quand on se retrouve, quand on arrive à se retrouver. Justement, les groupes prennent de la place, surtout en ce moment, et nos vies, elles sont un peu différentes. On est deux à habiter à Paris, comme tu sais, et du coup, c'est un peu ouais, compliqué pour se retrouver, mais bon, quand ça arrive, on arrive à faire des choses. Okay. Vous composez aussi un peu à distance, ou vous êtes toujours... Honnêtement, non, c'est vraiment quand on se retrouve, quoi. C'est plus genre, ah bah tiens... Tu vois, on va arriver et puis on va se poser la question de savoir si la répète en question, en fonction s'il y a des concerts, on va plus l'orienter sur une répétition de set pour être, tu vois, prêt, machin, à travailler. Ou si des fois, on va se dire, bah non, bon, on n'a pas de set à préparer, pas de concert pendant, je sais pas, 3-4 mois ou 2 mois, donc on va se mettre sur de la compo. Bah tiens, moi j'ai fait ça. Et puis c'est pareil, quoi, tout le monde. Alors un truc qui est positif au moins dans le groupe, c'est qu'on peut pas... Enfin, c'est démocratique, quoi. On a toujours eu cet état d'esprit-là, donc ce qui veut dire que s'il y en a un qui ramène un riff qui est pourri, enfin, ou qui nous plaît pas, bah, on le met pas, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Il y a plein de compos qu'on a squeezé depuis que, tu sais, des trucs qu'on arrive, genre, ah, putain, j'ai trouvé ça, c'est vachement bien. Puis en fait, bah, il y en a deux, trois qui sont là, genre, ouais, bah, moi, je trouve pas ça si terrible, je trouve ça pompé de ça, presque plagié de ça, ou ouais, j'aime pas, ça sonne trop ci, trop ça, et hop, quoi, bah, du coup, on squeeze, on passe à autre chose. Voilà. Ouais, d'où l'intérêt du coup de composer tous ensemble, même si c'est une personne qui ramène un riff, bah, quand il est là, on développe. La construction elle s'établit ensemble par contre après. C'est plutôt agréable. Pendant qu'on est dans les compos, est-ce qu'on peut parler éventuellement de l'avenir dans les mois qui viennent? Ouais. Parce que vous préparez un nouvel album je crois. Bah ouais, il est prêt. Il est même prêt en fait, et du coup le gros problème c'est qu'on attend encore les réponses de label. Donc, ce qui nous paralyse énormément, puisqu'on a des concerts, bah, on a joué hier, et des concerts à venir, on n'a pas de CD, donc c'est pénible. Mais c'est prêt, il n'y a plus qu'à le sortir. Donc voilà. Okay. Ah!
tard, je sais plus vers quelle heure, mais vers 20h30, voilà. Donc c'était le premier groupe dans la salle, dans la grande salle. Il y a Mathematrix qui a joué avant. Ouais. Non, on a pris du plaisir comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on se retrouve, on y allait comme d'habitude. Quoi. Après c'est vrai que cette atmosphère-là, enfin le lieu déjà te rend beaucoup plus. Tu vois, t'arrives, faut être honnête, t'as un peu les chocottes, t'as plus d'appréhension que quand tu joues dans un petit rad ou. On aime bien quand même on aime bien jouer dans des caves pourries parce que ça développe quand même. On n'est pas tous pareils justement à ce niveau-là, c'est vrai qu'on pense pas tous la même chose. Ouais. À ce niveau-là, ouais. Ouais, c'est vrai, on est moite-moite, je dirais, dans le groupe quoi. Bah, ouais. Il y a la moitié qui préfère se taper des salles comme ça, plus machin. Et puis de l'autre moitié qui préfère plutôt, enfin pas préfère, mais l'atmosphère, on se sent plus à l'aise à jouer dans un gros rad, sans parler que son dégueu ou quoi, un rad où le son peut être super propre, mais tu sais, genre de rad, tu sais, caveux où tu peux en fumer à mort et puis. C'est ça en fait, c'est plus pour ça, c'est quand tu développes l'ambiance qui est propre à ce qu'on fait. Je trouve que ça prend plus dans une cave que dans une grande salle. Après, c'est que mon avis, mais c'est toujours agréable de jouer sur une grande salle. Ah bah, je carrément. Pas du tout en train de. La même. J'aime aussi. Ouais, parce que par exemple, West for the Night, vous avez fait jouer en octobre dernier, je crois, ouais. Au 108. Et c'est vrai que l'ambiance était totalement différente. Complètement. Parce que bon, le 108, on n'est pas non plus dans une cave, mais ça reste une petite salle. Qui a un peu la capacité au final de certains bars, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que l'ambiance est totalement différente. Ouais. Et justement, ouais, on retrouvait ça, quoi, cet aspect un peu. Plus enfumé, il y avait plus de cette moiteur qu'on porte dans un café. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait hier, parce que justement, c'était une autre approche aussi de ce qu'on voit d'habitude, avec un son vraiment extrêmement propre. Et ça permettait en fait de mettre en valeur différentes choses et d'une expérience un peu différente. Et vraiment, en fait, là, il y avait peut-être plus de place aussi pour apprécier vraiment en fait les compositions, avec parce qu'on entendait toutes les subtilités de la musique, ce genre de choses. Donc, ouais. C'est vrai que c'est carrément différent, quoi. Je suis complètement d'accord, c'est pas la même approche. Ouais, il devait avoir un côté beaucoup plus mis en valeur, par exemple, du côté mélodique ou des choses comme ça. Après, je pense que par contre, ça travaille moins sur l'ambiance. Ouais. Bah, l'ambiance était un peu différente parce que là, en fait, on se retrouvait dans quelque chose de quasi magistral, en fait. Le fait d'avoir la grande scène, en fait, au niveau des lights, quelque chose de bien travaillé. Il y avait aussi justement cette ambiance visuelle. Peut-être que l'ambiance humaine était moins évidente de prime abord, mais c'est vrai que l'ambiance visuelle, l'esthétique en fait de votre musique était vraiment bien mise en scène. Et ça permet en fait, moi j'ai retrouvé quasiment en fait une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire que tout le set, c'est peut-être aussi avec les nouvelles compos ou ce genre de choses que vous voulez mettre en place, mais tout le set en fait, c'était comme en fait le parcours de quelqu'un qui à chaque fois en fait sombrait un peu plus. Ouais. Et ça se ressent beaucoup aussi dans ta prestation à toi. Et ça, là, on s'était vraiment plus mis en avant qu'éventuellement dans les caves où on est plus dans l'échange ou l'interaction. C'est vrai. Et ce côté-là, justement, mise en abîme et tout, c'est important pour toi ou... Ouais, complètement. J'ai pas trop de recul par rapport à ça, mais. Ouais, je t'exprime super bien ce que j'arrive pas à dire, mais... mais surtout que ça rejoint carrément aussi ce que toi, tu peux écrire dans tes textes, au final, quoi, ce côté-là, ce que tu viens de dire, en fait, quoi. C'est, ouais. Par rapport à la thématique de l'album, justement, on est dans les clous par rapport à ce que tu viens de dire, un peu. Complètement. Alors, justement, est-ce que tu peux exprimer un peu plus? Ouais, bah, justement, donc, l'album qui va sortir s'appelle Glasgow, qui est une référence directe à une échelle en fait d'analyse du coma, donc ce qui permet de dire c'est une échelle qui te dit à quelle profondeur de coma t'es. Et donc l'idée de l'album, c'est de travailler sur tous ces lieux symboliques où t'es à l'aise en fait, et moi j'ose penser que le coma ou la mort ou même certains texte comme Sloth par exemple, qui parle de la ventre, du ventre de la mer, tu vois, ces endroits où on peut être à l'aise, il faudrait peut-être y retourner. Donc en fait, on est là-dedans, quoi. C'est ça. Donc, c'est l'histoire d'une belle fuite en avant qui ressemble un peu à ma vie. Donc voilà.
j'ai l'impression de prendre un peu de hauteur sur des thèmes qui me touchent, mais c'est, enfin, au début quand j'écris c'est pas personnel, mais tu vois quand tu prends du recul ça ressemble quand même vachement. Okay. Après l'idée c'est tout le temps d'écrire des choses qui prennent un peu de hauteur, un aspect un peu spirituel quand même dans la musique qu'on fait. Malgré tout, effectivement, ça transpire quand même. Ouais, il y a toujours la dimension introspective à mort. Hein. On la sent, c'est vrai. Hein. C'est sûr. Donc, voilà, on en est là. Après, moi, je me pose toujours des questions dans l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Pourquoi je gueule ça dans un micro? Et j'ai toujours pas vraiment la réponse, mais... je pense que, voilà. Enfin, ce que je viens de te dire, ça résume à peu près. Okay. Ouais, donc... En partant de ce que tu dis, et également, en fait, par exemple, le nom du groupe... parce qu'en fait on pourrait imaginer que en fait vous mettez en place quelque chose de chaotique, mais en fait j'ai plus l'impression que le chaos est à l'origine et que c'est plus une façon de se redresser, quoi. Bah ouais, c'est pas faux, c'est ce que tu dis souvent toi, avec ouais, le côté lumineux. Ouais, c'est ça. On part du chaos et on essaie d'attendre la lumière pour sortir la tête de l'eau, quoi. Ouais. Bah c'est ouais, toujours cette fuite, ce qu'elle est constructive ou pas, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Effectivement, si on va vers le haut, est-ce que c'est un bon haut ou un mauvais haut, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très lumineux. Je connais pas les noms forcément, mais il y a un moment, il y a un passage un peu moi qui m'a fait penser à un truc un peu shoegaze. Ouais, ça doit être sur Sloth, je pense. Ouais. Savoir voir quel passage tu veux parler. Et c'est vrai que celui-là, en fait, c'est une sorte d'ouverture, de respiration, en fait, comme ça, et d'espoir au sein, en fait, de... Ouais, effectivement, t'as... tous ces passages, oui, qui traduisent ce qu'on vient de dire sur les paroles et l'ambiance générale du groupe. Ouais. Effectivement. Toujours des aspects écrasants, et en même temps, ces ouvertures un peu plus lumineuses, parce que ça traduit encore une fois ce qu'on dit depuis tout à l'heure. We'll be right back.
Bah du coup nous avec Krakaus, là on rentre en studio dans trois bonnes semaines pour enregistrer le premier album. Et puis, après on est en train de préparer une tournée pour octobre avec les copains de Greffel quoi. Et, ah, puis, super, et puis voilà quoi, ça va. Il y a pas mal de choses de prévues. Greffel dont un épisode sortira dans quelques semaines, voilà. Ok. Tout est connecté, c'est ouais. Ça. On les connaît bien, les osios. Et pour Nessaria, du coup, grosse actu en 2017. Donc, sortie d'album en octobre et une date à Terre de Son avec Gojira, donc plutôt cool. Puis pas mal de dates qui commencent à se profiler, voilà. On peut parler du fest, puisque du coup, qui est ce genre d'initiative à Blois, c'est... Ouais. Je parle pour moi, mais je pense que... Non, je sais qu'on est d'accord avec ça. C'est vraiment cool, et qui est une programmation aussi pointue. Hier, comme ce soir, ça fait du bien, ça fait respirer un peu la scène métal dans la région centre. Je pense que tu es assez d'accord avec ça aussi. Moi, je suis assez content. Ouais. On est assez content de ça. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait eu des gens, tu vois, qui ont réussi à faire preuve de cet acharnement pour pouvoir nous proposer un plateau qui pour nous, je pense, sans vouloir, tu vois, se mettre sur un piédestal ou quoi, tu vois, mais vrai métalleux et un vrai plateau intéressant. Et pour moi, c'est pas le plateau du métalleux du dimanche. Je veux pas citer de nom de groupe, machin, etc. Tu vois, c'est pas vocation de mon... Mais bon, j'en ai souvent ras-le-bol des trucs pouette-pouette ou tu vois, ou des gros trucs vraiment clichés du métal. Ouais, puis cette scène, elle existe en plus en région, elle est en public, et c'est très bien. Et c'est bien qu'il y ait ça. Et du coup, là, ça change, ça propose autre chose, donc c'est cool. Et ça doit rester, j'espère que ça sera pérennisé. Puis même nous, en tant que public, là, on est super contents, tu vois, ce soir, on va voir Nostromo, ça démontre, c'est trop cool. Enfin, je sais pas. Ouais, non seulement il y a une programmation de malade et en plus l'accueil est juste parfait. Le lieu est au top, clair, les gens sont super. Tout a été parfait de A à Z quoi. On est content. Après, mot de la fin, je me permets, rapide. Là pour Ruin, on espère donc que cet album va vite sortir et après on va se mettre à composer très vite parce qu'on a envie de plier cette page aussi. Assez rapidement, ça fait 2 ans qu'on tire cet album, qu'on l'a composé, et c'est un poids qu'on porte depuis un bout de temps, donc il faut qu'on se retrouve aussi, nous cinq, parce qu'on se perd un peu de vue là par rapport à nos projets, par rapport à pas mal de trucs. Donc là, c'est super important l'étape suivante, j'espère qu'elle va prendre vite. Voilà. Super. Je voulais dire un truc. Merci. Merci à toi. Merci à toi.